Bon, du coup, j'ai préparé mes petits sacs, donc un sac avec des gants propres et un masque propre, parce que je pense qu'il en faut deux. Là, j'en ai un sur moi. Ça, c'est les gants que je vais mettre tout de suite. Du gel hydroalcoolique, purée, mais c'est pas une vie, quoi. Mais comment ça fait du bien de pouvoir ressortir. Enfin, c'est quand même bizarre de sortir dans ces conditions, mais bon. Bref, les gars, j'ai mis du parfum, quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas mis de parfum. Je surkiffe. Bref, du coup, bah voilà, j'ai mis. J'ai préféré attacher mes cheveux parce que je me suis dit avec le masque ça allait être mieux. Mais le masque, les AirPods, voilà, bref, c'est juste. Là, c'est sûr, je vais pas rencontrer l'homme de ma vie comme ça. Bref, du coup, mon sac est prêt et du coup, je prends aussi un sac vide pour mettre les gants vides utilisés si jamais j'ai pas de poubelle. Et puis voilà, je sais pas trop si c'est le bon truc. De toute façon, je verrai avec ma kiné. Mais j'avoue que. C'est compliqué, hein? Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. Du coup, pour la tenue, je me suis mis bah, en legging, comme d'hab. Ouais, un petit style, comme c'est déjà, hein, un petit style streetwear casual. Allez, go, c'est parti. Quelques heures plus tard et je suis chez Mamoun, ça fait du bien, même si on peut pas se faire des câlins, des bisous, mais bon, c'est trop, je suis trop contente d'être arrivée chez Mamoun. Du coup, elle m'a préparé plein de petits trucs que j'avais oubliés, genre mon couteau économe, enfin, ah ouais, mon truc à thé et des moules à cannelé, des trucs que j'avais laissés ici, trop bien. Elle m'a acheté aussi des petits trucs, ouais, purifiants. Ça, c'est quoi? Savon pour les mains. Petit gel. Ah, tu m'as fait du gel hydroalcoolique, trop bien. Hop, merci Mamoun. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le truc que t'as dans ton sac à... Ah bon? Ok. Ouais. Tac, merci Mamoun. Diffuseur. Je vais acheter un diffuseur. Mamoun m'a fait un antivirus diffusion. Trop bien. Merci, Mam. Lors de la séance, ma kiné a trouvé que mon ventre était plus gonflé que d'habitude, surtout au niveau de la vessie. Un médecin est venu et a déclaré que je devais aller aux urgences car il y a quelque chose qui n'allait pas. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Vous inquiétez pas, je vais bien, tout va bien. J'avais un problème au niveau de la vessie, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout est bien qui finit bien. Le problème a été résolu. Voilà, mais je dois consulter mes médecins spécialisés parce que voilà. Bref, donc c'était ma première sortie, c'était un peu la merde, hein, on va pas se mentir. En gros, j'étais chez la kiné, voilà, donc vous se connaissez déjà, hein, maintenant. Elle regarde mon bidon, elle me dit, ton bidon il est un peu gonflé quand même. J'ai dit, ouais, bon voilà, et puis elle regarde, elle fait, ton bidon il est quand même gonflé en bas, quoi. Et du coup, dans le centre où je suis, il y a des médecins. Et donc le médecin vient, il dit, ah ouais, il y a peut-être un problème là, il y a peut-être un souci, il faut aller aux urgences. Ok, donc j'appelle Mamoun, la pauvre. Dès que je l'appelle, elle me dit, t'es tombée? Non, non, ça va, maman, t'inquiète. Et voilà, donc bref. Et franchement, bon, c'est les urgences, hein, mais waouh, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Tu vois, c'est chiant parce que, en gros, j'ai une maladie qu'on peut, enfin, j'ai des pathologies qu'on peut pas guérir. Et du coup, t'as mal au bide. Tu sais pas trop, la douleur elle était là, mais du coup bon, le problème urgent en fait a été résolu, mais le problème de fond il est toujours là. Donc voilà, donc c'est un peu chiant. Je suis contente de rien avoir, mais c'est un peu chiant de pas savoir non plus. Bref, et clairement les urgences c'est la cour des miracles quoi. C'est je voilà, je le redis encore, si toi tu es personnel soignant, peu importe ton métier, je te respecte parce que j'aurais déjà pété un plomb. Il y avait une dame qui, je pense qu'elle devait Elle a, bon, j'avais rien que ça à faire, donc j'ai écouté. Elle avait été internée de force, elle commençait à crier, à chanter, à pleurer. Enfin, c'était un truc de ouf. Et je crois qu'ils l'ont mis sous Xanax. Après, de l'autre côté, t'as un mec qui voulait enculer tout le monde, nique sa mère. Il était en mode insulte, blablabla.
Enfin bref, voilà, entre ceux qui crient, qui vomissent, qui gémissent, qui... Eh, j'en pouvais plus! Voilà, c'est dur. Franchement, c'est dur parce que tu dis, il y a des gens malades aussi. Donc, il y avait l'unité Covid. Il y avait un mec qui disait qu'il avait eu le Covid, qu'il avait été guéri. Mais du coup, à cause des Doliprane et tout ce qu'on lui a donné, maintenant, il a des conséquences, il a des problèmes de foie. Fin, quoi, c'est... Ouais, enfin, ce serait utopique, mais ce serait bien que personne ne soit malade. Donc, voilà. Mais ouais, franchement, c'est... Je vous respecte, les gars, je vous respecte. Parce que vous avez une patience, les aides-soignants, les infirmiers... C'est un truc de ouf. Et en plus, faut agir vite. Franchement, j'ai été reçue très vite. J'ai fait ma radio vite. Enfin, tout s'est super bien passé. Enfin, voilà. C'est pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Donc, enfin, ça se passe bien, mais des fois, c'est très long. La dernière fois que j'étais aux urgences, c'était, j'ai demandé à sortir parce que j'en pouvais plus. Mais franchement, ça a été rapide. Et voilà quoi. Ils doivent gérer tellement de monde. Des pilotes qui se plaignent. Ah, mais ça fait 3 heures que j'attends. Mais le mec lui a dit gentiment, ben, madame, c'est les urgences quoi. Et j'ai envie de te dire, bon. Si t'es assise un peu comme moi, ben si tu peux supporter encore la douleur, ben tiens quoi, il y a des gens c'est plus grave quoi. Donc voilà, bref, oui je sais, j'essaie toujours de positiver, de relativiser, c'est super important même si le cas est là, la gravité est là, mais il y a mieux, il y a toujours pire. Voilà. Donc sur ce, je bois mon petit thé comme d'habitude. Il me restait encore des petites feuilles de citronnelle. Voilà, c'est les dernières. Mais maman a réussi à planter de la citronnelle, donc je vais essayer d'en planter. J'ai mis une toute petite cuillère de sirop d'agave, aussi parce que j'ai mis des herbes à pic dedans, donc pour éviter que le goût soit un petit peu amer. Santé. Et là, du coup, je vais sortir parce que je dois aller chercher ma pilule. Je vous en ai parlé sur ma chaîne principale. Vous m'avez posé des questions, dont une sur l'endométriose. Et du coup, j'ai répondu. Et du coup, je vous ai expliqué que je prenais une pilule qui s'appelle Zoélie, qui est une pilule... à base d'hormones naturelles et du coup introuvable, donc elle n'est pas remboursée par la sécu. Déjà de 1 elle est chère, mais bon je peux m'acheter des fringues chez Zara, donc je peux quand même me payer une pilule à 40 balles et les 3 mois. Et du coup là près de chez moi il n'y en avait pas, de près de chez maman il n'y en avait pas, enfin bon c'est un peu la galère. Et là j'ai appelé une autre pharmacie, ils l'ont, donc je vais aller la chercher. Et je vais chercher de la levure boulangère parce que Mamoun n'en a plus, voilà. Donc j'étais avec Mamoun hier. Vous avez vu, oui. Et du coup, elle m'a dit, bah, si tu trouves, voilà, va pas Babel Oued, mais si tu trouves, prends-en moi. Donc, je vais essayer de trouver ça, puis ça va me faire une petite marche et tout. Et puis voilà, cet après-midi, j'ai un appel téléphonique et pour mes projets. Et puis voilà, rien de ouf, les gars. Je pense que ce midi, je vais me faire des rouleaux de printemps. Ah oui, je vais sortir les crevettes. Je vais quand même aller acheter du soja. Comme je vous ai dit, j'évite de manger du soja. Mais je pense que c'est mieux quand même. Des petites germes de soja, je vais prendre des trucs en conserve. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, c'est ce que je vous dis là maintenant. Je ne sais pas après si je vais vraiment le faire. Walou, walou! Bon, petit style du jour, bonjour. Et le masque, c'est chaud. Ah ouais, attendez, j'ai porté le masque pendant... Donc de 14h à 21h. Parce que j'ai ma séance, donc je suis restée à l'hôpital pendant ouais, de 15h à 21h. Et franchement, respect encore une fois, parce que j'avais mal derrière les oreilles à cause de l'élastique. Et voilà quoi, c'est chiant de porter ça. Je sais pas comment les Chinois et les Japonais ils font. Bref, du coup j'ai mis mon petit ensemble que j'adore, avec ma veste en jean que j'ai ressortie de chez Zara, que j'ai dû acheter il y a au moins 3-4 ans. Mais je pense que je vais me racheter un peu une courte. J'ai que des longues, bref. Et mes baskets, ce sont les Falcons. Adidas, je sais pas, je trouvais que ça allait bien avec. Walou, walou! Allez, go! La meuf, elle a mis 3 heures avant de se préparer, bref. Tout ça pour aller à la pharmacie, hein. Un peu, oui, quand même. Ne soyez pas étonnés, là, je vais vous poser un certain nombre de questions. Du coup, quelques heures plus tard, il est 3 h, 15 h. Je suis rentrée et j'ai enchaîné direct avec mon entretien. Du coup, je n'ai même pas encore mangé. Entre-temps, j'ai reçu ma commande Picard que je dois ranger, désinfecter, plus les petites courses que j'ai faites quand je suis sortie tout à l'heure. Je suis crevée, je sais même pas pourquoi je suis toujours en train de forcer. Je suis vraiment une forceuse, ça c'est mon mot. Je suis une forceuse. Je suis tellement excitée parce que j'apprends plein de trucs et en même temps, je suis fatiguée. Je suis censée me reposer quand même. J'ai même pas mangé, bon, au moins j'ai bu de l'eau, mais pas trop. Bref. Donc, du coup, je me suis pris. Alors, des glaces. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas acheté des glaces. J'ai pris les white chocolate almond. Donc, je savais pas que ça existait. J'adore déjà les almond, les magnum almond. Bah, là, c'est chocolat blanc almond. Donc, voilà. Et du coup, mon projet à faire là, oh, faut que je le range.
glace partout, c'est génial. Du coup, j'ai dû ranger mon congélateur parce que vraiment, c'était le bordel dedans. Et voilà, donc ce que je prends chez Picard, c'est toujours la même chose. Hein, voilà, pas la peine de vous faire encore le même retour de course, la ratatouille, les légumes verts, bla bla bla. Voilà. Mais oui, mais t'es mon petit chocolat, mon bébé. T'es mon bébé d'amour. T'es mon chocolat. Voilà, t'es mon chocolat. Ça va, Doudou? Est-ce que t'es sage avec maman? T'as parlé à Jazz? Mais c'est génial si t'as parlé à Jazz. C'est trop bien ça. Ben oui mon amour. Ben oui quand même. Oh. Mais bientôt tu pourras me faire des gros gros bisous, d'accord? Oui, mais peux-tu faire des gros bisous? Ah oui c'est vrai. Quand même. Ben oui, il y a le coronavirus, c'est vrai. Oh là là, il faut mettre le masque et tout. Il faut se laver les mains. Il faut bien se laver les mains. Oui, je me lave les mains. C'est bien, Doudou. Ben, c'est... Papa? Il est où, papa? Ben oui, c'est ça. Mais envoie la blague, Chabine. Envoie la blague. Mais Timal, tu m'as mis en pause. Quand Raphaël... Donc ce soir, c'est Picard. La tarte fine fromage de chèvre courgette. Bon, pour le coup, c'est vraiment très fin, j'avais oublié. Mais c'est très bien parce que j'ai pas très faim non plus. Mais je vais essayer de la faire moi-même parce que tu les comptes, les morceaux de courgette, clairement. Donc voilà, c'est vraiment peut-être même courgette feta. Mais je vais manger ça. Enfin, je ne sais pas si je la mange en entier ou pas. Mais voilà, et j'ai rajouté un peu de fromage parce que c'était pas assez gourmand croquant. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve je crois une semaine après au niveau du vlog. On est le... Combien? Si j'avais quelques... Bref, je vous avais dit que j'avais du mal à trouver ma pilule. Et effectivement, j'ai pris 3 jours pour la trouver. Soit elle était introuvable, soit elle était vendue à des prix, on aurait dit de la farine, mon gars. Un truc super rare. Et j'ai fini par la trouver. Mais en 3 jours, eh ben, les règles sont revenues. Et comment vous dire que c'était la galère. Donc ça faisait des mois et des mois. Je vous l'avais dit justement dans ma vidéo sur ma chaîne principale que j'avais pas eu de règles depuis un bon petit moment. Et là, j'ai douillé, clairement, j'ai douillé. Et je me demande comment j'ai pas fait une hémorragie avec tout le sang que j'ai perdu. Bref, donc tout ça pour dire qu'on se retrouve une semaine plus tard. Et ça va beaucoup mieux. Vraiment, ça va beaucoup mieux, ne vous inquiétez pas. Donc là, il est 9h30. Je vais boire mon thé comme d'habitude. Après, je vais voir Mamoun et après, je vais chez le kiné. Comme d'hab, donc c'est pour ça que, bah, comme d'hab, hein, je suis en mode brassière. D'ailleurs, je vais en racheter ces brassières de chez Zara, la collection Limitless. Et franchement, j'aime beaucoup parce qu'en plus, c'est hyper pratique. Après, quand elle doit me masser, j'ai juste à enlever et tout. Et je suis vraiment à l'aise dedans. Donc, voili, voilou. Et du coup, si vous voyez que c'est un peu blanc partout, là, c'est parce qu'en fait, je ne peux pas mettre de crème quand je vais chez le kiné parce que sinon, elle n'arrive pas à m'attraper. Je sais, c'est un peu chelou quand je dis ça. Mais en gros, c'est ça en fait. Je sais plus si je l'avais dit, mais voilà, je ne mets pas de crème parce que sinon, elle ne peut pas m'attraper. Voilà. En application des consignes gouvernementales, nous vous demandons de porter un masque tout au long de votre trajet, de respecter la signalétique de distanciation physique et les gestes barrières. Pour notre santé à tous, et parce qu'on tient à vous, appliquons les bons gestes. Bonjour Mamoun. Salut. Tout le monde demande de tes nouvelles, donc comment tu vas Mamoun? Je vais bien, là, je suis obligée de me protéger parce que je suis quelqu'un à risque en fait. Voilà, ben, je vous avais dit Mamoun est diabétique, asthmatique, donc ouais. Pas trop le choix. Mais il y a beaucoup d'abonnés qui demandent de tes news. Hein. Je vais bien et je fais attention à moi. Voilà. Et faites attention à vous. Et faites attention à vous, voilà. Là ce midi on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des briques, vous vous souvenez, je sais plus si je vous ai montré la recette, mais c'est tout simple. On va en faire au fromage, donc vache qui rit, et on va en faire en pommes de terre poulet. Mamoun avait déjà préparé ça. Voili voilou. Et voilà, donc on a fait samoussa, poulet, pommes de terre et quelques-uns au fromage, donc vache qui rit. Voili voilou. Puis après on va manger ça avec de la salade, tranquillou. Bah oui.
Moi, mon, là, dans mon petit supermarché, des fois, elle sort et dit, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ben, les gens comprennent. Il y en a un mec qui s'est pris la gueule avec un jour parce que l'autre était en train de lui monter dessus. On a fait d'autres samoussa ou bris comme vous voulez, mais à la pomme. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a râpé de la pomme, on a mis de citron vert, de la cannelle, une cuillère à soupe de sucre à peu près. Et franchement, un peu de crème allégée, ça. Un petit peu de crème allégée pour le liant. Et c'est vraiment le total impro et c'est super bon. Ça fait penser, vous savez, à l'apple pie du McDo. Donc je pense qu'une petite revisite s'impose là, mais en tout cas, une tuerie. Parti pour la séance de torture avec un masque, je vous jure c'est super beau. Je viens de rentrer, je suis posée sur mon balcon tranquillou, je me repose un peu, j'étais un petit peu deck parce que la kiné m'a dit que je devrais arrêter le vélo comme j'ai mal au genou depuis un bon moment, je sais plus si je vous en ai parlé, et du coup elle m'a dit par contre le vélo il faut arrêter. Là j'attends mon tapis qui va pas tarder, le tapis déjà c'est mieux mais le vélo c'est dead, donc bref, là je vais me détendre, je vais lire un petit peu, hop tranquillou, manger un petit sneakers et puis voilà. J'avais oublié que j'avais reçu un colis, et à votre avis c'est quoi? Une paire de pompes, mais celle là mon dieu, ah j'ai eu du mal, aïe, oh, j'ai eu du mal à la trouver parce que ben, quand elle est sortie là récemment, c'était sold out partout, donc je l'ai trouvée sur We The New et tadam, authentifié chez With The New. Bah, j'espère bien quand même. Hein. Donc elle va coûter forcément un petit peu plus cher que la version normale. Oh my goodness! Oh purée, elle est magnifique. Non mais oh là là, regardez-moi la beauté de la chaussure. Donc c'est les Air Force 1, les Jordan 1 pardon, mais en low. Voilà, ils avaient sorti à peu près un modèle similaire en Air Force 1 low. Donc en low, en basse. Mais putain, elle est magnifique. Oh pardon, excusez-moi. Vous connaissez ma joie quand je reçois les sneakers. Oh, purée, oh là là, elle est magnifique. A few moments later. Bon, je pense que ce vlog va être un peu inutile. Je viens de me réveiller. J'étais en train de lire et du coup, sur le balcon, je commençais à m'endormir, donc j'ai dormi un petit peu. Et là, j'ai essayé mes chaussures. Surkiff, elles sont trop belles. Franchement, le détail, là, t'as le petit 23 ici. La couleur parfaite pour les... Ah non, mais ça, c'est... Voilà, c'est comme je vous disais dans ma vidéo spéciale sneakers, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Comment vous dire, c'est une paire intemporelle, ça. Le bleu, là. Oh là là. En plus, là, pour l'été et tout, c'est canonissime. Je suis fan. Bon, faut que j'aille faire une petite photo pour Instagram, sinon je la ferai demain. Voilà, voilou. Comme d'hab, on regarde pas mes jambes parce que là, clairement, pas épilé et toujours pas de crème puisque voilà, hein, toujours, je suis revenue chez le kiné, toujours pas de crème. Bref. Oh, canon. Canon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, déjà, au taquet. Enfin, en même temps, il est, je sais pas quelle heure. Bref. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais vous vloguer parce que clairement, c'est rien de spécial. Là, je dois juste aller à la pharmacie parce que, ben, la fille que vous voyez en face de vous est une vorace. Je me suis brûlé un peu le palais hier en mangeant les briques. Donc du coup j'arrive à rien manger. C'est un peu galère, j'arrive à rien manger. J'ai quand même bouffé presque un paquet sneakers glacés. Mais sinon tout va bien. Mais bon, hein, le froid c'est bon, voilà voilà. Non, je vais à la pharmacie rapidos et puis voilà. Bon, je viens de rentrer et clairement rien de spécial. J'avais juste besoin de gel douche parce que j'en ai plus. Donc j'ai repris le Aderma, mais je crois que j'ai pris la version à 91% ingrédients d'origine naturelle. Si vous le savez pas, j'ai la peau archi sèche et du coup bah ça me fait du bien. Donc j'ai la crème qui va avec, donc voilà, et en plus si les composants sont encore mieux, c'est très bien. Donc pour ma bouche, j'ai trouvé ça, enfin ce que la pharmacienne m'a donné. Je vais le mettre de ce pas là après avoir nettoyé tout ça parce que j'en peux plus et j'ai envie de manger, et du coup j'ai juste en fait je suis sortie aussi pour prendre du kiri, je vais de la vache kiri, mais bon ça fera l'affaire parce que je vais faire des cheese naan, enfin je vais essayer d'en faire. Et j'ai repris de la pâte à tartiner, j'en achète jamais, mais du coup, je devrais pas, mais bon, voilà, au moins j'en ai j'en ai chez moi, quoi, si je veux des petites recettes, et au moins ça m'évitera d'aller en chercher, voilà. Thank you.
Bon, du coup, j'ai fait la pâte à cheese naan. Bon, vraiment, je m'achète des bols en verre. Par contre, j'étais un peu déroutée parce qu'entre ceux qui disent faut laisser laver, 1h30 ça suffit, blablabla, sachant que j'ai acheté des la levure à action rapide. Donc, du coup, c'est ça. Je sais pas, je vais voir. Et du coup, là, je vais me faire une petite salade tranquillou en regardant Miss Fine. Franchement, la maison ne sera bientôt plus là. Petite pause pour aller voir ma tarte, je pense qu'elle est bonne. Oh, elles sont trop bonnes en tout cas. Je la fais juste un petit peu griller encore. Et enfin grille dessus quoi. J'aime bien quand c'est bien croustillant. Et puis voilà, miam miam. Non mais blague à part les gars, il fait une chaleur. Je suis rentrée là vite fait parce que mon iPad m'a dit qu'il avait trop chaud. Donc voilà, comme je lis sur l'iPad, du coup, parce que c'est plus pratique pour moi, hein, c'est pas faire genre je suis en train de lire sur l'iPad, mais c'est plus pratique pour moi, parce que déjà ça contient beaucoup de livres, c'est comme une Kindle quoi, c'est pareil. Donc après j'ai pas acheté de Kindle simplement parce que ben j'ai déjà l'iPad, et il y a tout dessus, donc même si j'emporte mon iPad, je pourrais aussi lire mes magazines, tout, me connecter au Wi-Fi, aller dans mes applications, enfin voilà, pour moi l'iPad c'est plus pratique, bref. Du coup, je vais y retourner. Je suis en train de bronzer un peu. Moi, j'assume, hein, dès qu'il y a du soleil, dès qu'il y a un rayon de soleil, Céline est dehors à poil. Enfin, on s'est compris. Mais voilà, parce que bah, le soleil, c'est trop bon. Donc, ouais, je vais juste sortir ma tarte du four, la laisser refroidir et y retourner. Et voilà le résultat. Regardez-moi cette tarte. Elle a pas l'air canon. Franchement, voilà, donc j'ai mis des bananes d'un côté, enfin j'ai mis à la base c'est à la pomme, mais comme il me restait aussi des bananes à finir, d'ailleurs j'en ai encore à finir, mais voilà, j'ai mis un petit côté avec des bananes et le reste de la pomme, et voilà, par contre c'est la première fois que je fais ça, j'ai toujours fait des crumbles normaux, mais bon, après c'est la même chose, hein, sauf que tu mets après de la pâte, mais voilà, donc merci à ma chou qui m'a inspiré, parce qu'elle en faisait, souvent, j'ai dit ouais allez, je vais tester aussi avec de la pâte brisée. Voili voilou, ça a l'air trop trop bon. Donc du coup ça a bien rendu, je vais donner la moitié à maman et peut-être même à ma kiné demain. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et puis voilà, parce que là je suis en train de lire un livre sur la détox de sucre et clairement après il faudrait que j'arrête pendant un petit moment les pâtisseries. Voilà voilà. Mais ouais, je suis quand même contente, elle est trop belle ma tarte. Et du coup bah ce soir je vais faire les cheese naan puisque la pâte a super bien gonflé. Donc ça fait pas toute la nuit, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà. Bon, voilà mes premiers cheese naan, mais du coup, ils sont un petit peu gros, je trouve. Je les voulais un peu plus plats, donc peut-être que j'avais... En fait, j'avais peur que le fromage sorte et c'est arrivé sur celui-là. Du coup, j'ai pas fait une pâte... j'ai pas fait ça trop fin, mais en fait, je pense qu'il faut le faire un peu plus fin. On dirait des buns, en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'était mes premiers. Et du coup, j'avais pas de beurre clarifié. Donc du coup, j'ai mis du beurre normal avec de l'ail et de la coriandre. Mais je sais pas si c'est la solution. Bon bref, c'était mes tout premiers. En fait, on dirait plus des boquites. Si vous connaissez pas les boquites, c'est une spécialité de Guadeloupe, notamment. Et c'est des petits pains, de la pâte à une sorte de pâte qu'on garnit en fait les pâtes à pain, voilà. Ouais ouais, mais en tout cas c'est bon, hein, mais y a, ouais, je pense que c'est trop épais. Bon bah voilà, je saurais, faut quand même que ce soit un peu plus fin, tu vois, il y a trop de pâtes. Bon écoutez, hein, faut bien commencer une fois dans sa vie, n'est-ce pas? C'est bon. Ça fait trop beaucoup. Bon bah voilà. Hein. Prochaine fois, je ferai mieux. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Entre temps, j'ai pris une douche, je me suis changée parce que clairement, quand tu restes au soleil comme ça, voilà voilà. Et clairement, quand tu cuisines, il faut ranger. Donc là, j'ai un mini mélange qui m'attend parce que pas grand chose à faire. Hein. Je vais mettre ça dans le lave-vaisselle et les trucs qui vont pas dans le lave-vaisselle, je vais les laver et manger un peu de légumes. À l'oubide, hein, pour changer. Je me suis un petit peu jetée sur les cheese naan bokit là. Et franchement, je crois que j'ai revisité un truc. Mais limite, je vous jure, ça fait vraiment... tu peux les ouvrir et faire des petits bokit avec. Hein.
Mais ouais, non, je recommencerai, je vais regarder encore plein de vidéos pour m'inspirer, pour apprendre surtout. Et puis voilà, quoi. J'ai mangé, je vais me poser devant la télé. Ce soir, je vais regarder Why Woman. Waouh, je voulais vous montrer mon petit thé. C'est vraiment un truc de youtubeur, on s'en fout en fait. Vous en foutez de mon thé. Bref, mais pour vous dire que je vais me poser avec un thé, je vais aller sur l'ordi, commencer à monter le vlog et du coup me poser. Je l'ai déjà dit 36 000 fois, j'ai mal au ventre. Pour changer. Ce soir, il y a Why Woman Kill. C'est le dernier épisode que j'ai déjà vu. En fait, la semaine dernière, parce que je voulais vraiment savoir la fin. Et cette fin est épique. Comme j'ai dit, pour moi, c'est le meilleur épisode. Un des meilleurs épisodes que j'ai jamais vu. Il est vraiment génial. Enfin, bref, voilà. Forcément, vous l'aurez vu quand vous aurez vu ce vlog. Mais voilà. Sur ce, je vous embrasse, mes bichons. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. C'est vraiment important. Et merci encore d'avoir regardé cette journée qui était peut-être pas très intéressante. Mais bon. Voilà, c'est mon quotidien. Bisous.